Oui, effort. Comportement, ou les débats, CARICOM, et dit la croix CARICOM a fait la crise pays d'Haïti. Nous-mêmes, nous te comprenons très bien CARICOM, c'est agenda communauté internationale là, qui nous remplit, notamment les États-Unis d'Amérique, le Canada et la France. Nous songeons, nous rappelons pour la vérité et pour l'histoire. Les États-Unis d'Amérique ont initié une question qui a un rapport avec occupé pays. Eh bien, ils ont fait la navette auprès du Canada. Canada fait dilatoire, crise la paix durée. Après, ils ont choisi CARICOM pour venir tenter de faire dilatoire. Pour venir tenter de résoudre la crise. Mais son dit la croix, ce n'est pas pour résoudre la crise là, effectivement, mais c'est pour faire la crise là perdurer davantage. Dans le premier moment, CARICOM est venu comme conciliateur. Conciliateur a venu, il fait pas l'empile. Il n'a pas jamais arrivé capable de concilier parti et proposer une solution, une alternative à la population haïtienne. Dans le deuxième temps, CARICOM vini en tant que médiateur. Pour moi-même, qui suis avocat, je fais un devoir pour expliquer l'opinion publique nationale et internationale, notamment la population haïtienne. Et là, ils sont arbitres. Ils sont arbitrés. Et les décisions qu'ils prennent sont des décisions qui sont imposables au parti. CARICOM va venir en tant qu'arbitre. Mais cependant, nous voyons CARICOM, depuis au commencement, il fait proposition, il dit résolution crise là, pour gagner résolution, il faut Ariel dans la résolution, mes amis. Ariel qui a accouché gang dans tout coin dans le pays. Ariel qui a accouché la misère dans tout coin dans le pays. Ariel qui a crasé toutes les restes institutions de gagner campé dans le pays. Ariel qui est responsable de toute femme, si moun, qui violait dans le pays. Ariel qui est responsable de massacre en série qui fait dans le pays. Comme étant donné que nous sommes à la fin de l'année, si Ariel a un bilan, c'est un bilan catastrophique. Son bilan négatif pour le pays d'Haïti. Eh bien, CARICOM, sans respect pour le peuple haïtien, sans respect pour la population haïtienne, CARICOM propose Ariel comme un élément incontournable pour résoudre la crise. Là. Dans ce sens, nous, au niveau CAPESA, qui est le collectif des partis signataires de la Cour de Montagne, nous dénonçons fermement le comportement dilatoire, le comportement roulibé. Les comportements, les parce que CARICOM, Livin, remplit fonction communauté internationale là, qui représente par trois géants, trois têtes satans, qui sont les États-Unis d'Amérique, le Canada et la France. Nous dit CARICOM, nous ne prenons pas ça dans belle encore et solution. Nous, même dans la commune nous avons proposé, nous disons que c'est une solution haïtienne à la crise. C'est une solution qui doit accoucher une transition coupée fâchée, une transition d'héritage. Nous disons quel que soit le dialogue qui gagne, il faut qu'il y ait une feuille de route pour la population qu'on est clairement. Quel que soit le gouvernement qui va sortir de la transition, mais qui mission A, B, C, D jusqu'à Z. Pour les parents, les missions ça yo pour population mandou compte et ou gagne chaque 3 mois pour rendre population hein, pour ba yo rapport de évolution gouvernement. On dénonce pouvoir Ariel là qui pas jamais fait rien pour soulager commerçants dans Waname que Dominique malfra yo permettre que toute marchandise que vous avez gagné dans le marché d'Arbonne, vous finissez gâté.
et ça qui pas gâté yo yo met du feu là-dedans yo ti reste qui te rete yo dominicain pas laissé on ti cal route pour commerçant haïtien yo t'arrivé récupérer marchandise ça yo mais ça pourquoi j'en rien malgré tout ça Ariel Henry qui sont cyniques que communauté internationale a imposé en dedans pays pour être capable de continuer gangsteriser pays par rapport avec agenda bien détaillé que ambassade de la France Canada États-Unis pour pays et bien yo pas arrivé faire rien pour moun sa yo.